années 80, il y avait eu le Love Match, c'est un match de tennis qui avait opposé deux couples. Eh bien, cette semaine, dans Fight, il y aura le Love Combat, la Love Organisation. Pour la première fois, un homme et une femme ont organisé une soirée pied-point. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro de Fight Plus, un numéro un petit peu particulier, d'abord à cause du contexte, et puis aussi parce que, eh bien, vous le savez, Jean-Paul Maillet va nous manquer quelques instants, mais j'ai de la chance, puisque pour le remplacer, moi j'ai un champion du monde avec moi, c'est Cyril Benzaken. Salut Cyril. Salut Philippe, très heureux de remplacer Jean-Paul. J'espère, il ne manquerait plus que ça. Alors on va s'intéresser donc à cette soirée de trois, la première organisée par Ludivine Lanier et son mari. C'est une belle histoire, ça, un couple qui organise. Super histoire, un couple qui organise, que demander de plus, un couple pour les affronter peut-être, pour faire l'histoire du peut-être tennis, aussi. Mais superbe histoire. Avec des combats intéressants dans cette première organisation, et bien évidemment comme Ludivine Lanier organise, il y aura évidemment pas mal de combats féminins, avec entre autres son combat à elle, et sa revanche face à Sylvia Lanotte. On se souvient qu'un mot, ça n'était pas passé. Elle a envie de prendre sa revanche, hein, Ludivine. Très gros enjeu pour elle, puisqu'elle a un triple défi, j'ai envie de dire. L'organisation, le championnat du monde et la revanche. Ça fait beaucoup pour une femme et une même personne pour une même soirée. Et puis, autre combat féminin, là aussi, on voulait le voir. C'est une sorte de derby franco-français entre Marine Lefebvre d'un côté et Anaëlle Angerville. C'est deux très, très bonnes boxeuses toutes les deux, très, très bonnes combattantes. Et c'est vrai que ça donne une affiche très indécise dans cette soirée. Effectivement, on aime bien ces combats franco-français qui y a beaucoup d'intensité, puisqu'on sait qu'il y a des places de leaders sur le territoire français à prendre dans ce genre de combat, donc très engagé. Donc voilà la partie féminine, puis il y aura aussi un petit peu les hommes dans cette soirée avec donc Marwan Sifi, le mari de Ludivine Lanier, qui lui aussi va combattre.